Après un an d'absence, on est de retour sur le GR10. On est le dimanche 24 septembre. Voilà, je suis là, Léna est là, et puis Charlie et Denis nous accompagnent un tout petit peu au début. On est parti du pont d'Espagne. Là, on est au lac de Gaube, on va s'arrêter pour le petit pique-nique. Et ensuite, je pense que Denis et Charlie vont redescendre, et nous, on va continuer jusqu'au pied du Vignemale. Ça fait du bien d'être là. Il est 17h30, ça y est, on a monté le bivouac, après être allé prendre un petit verre au refuge des Oulettes de Gaube. Mais ça y est, là, le soleil s'est caché, donc on va observer un petit peu les marmottes. Là, il y a plein de marmottes, toujours sous la surveillance du Vignemale. Allez, à demain. Il est 9h moins le quart, on a tout plié, la nuit a été fraîche, c'est descendu à 5-6 degrés dans la tente, mais pas si mauvaise que ça. Allez, on va s'attaquer à la Ourquette d'Ossou, le point culminant du GR10, donc on se retrouve là-haut. Ça y est, on y est, la Ourquette d'Ossou, 2734 mètres, c'est le toit du GR10, le point culminant, c'est fantastique. On aura mis 2 heures pour faire les 600 mètres depuis le refuge, et là je suis bien content, on l'aura fait, on aura réussi. Et il est presque 16h. On est arrivé au barrage d'Ossou, là où on avait prévu de s'arrêter. On a fait un petit brin de toilette tout à l'heure à la passerelle. Voilà, bon, là, il y a la cabane qui est là.
Urban dessous et nous normalement on va bivouaquer ici. Allez, à tout à l'heure. On a pris le temps.